Le participe passé du verbe gabarit. Gabar, il y avait deux principes de Lucas. Le premier, c'était pas très dangereux. Vous cherchez une voiture en panne, au chauffeur, vous allez les gars pousser la voiture. Vous poussez la voiture, quand ça démarre, je vous accorde ce qu'on appelle le rodage. C'est-à-dire vous faites monter et vous emmène quelque part. Voilà, le rodage, c'est un principe que les femmes maîtrisent très bien. Accorder quelque chose à quelqu'un après avoir fait un bon geste. Non, regardez ça, ne changez rien. On dit que ça, ça nous fait bien. Maintenant, l'appétit, c'était quoi? C'est que tu vas habiter au centre-ville ici. Tu habites ici. Tu pousses la voiture ici jusqu'à Mawata. La voiture démarre à Mawata. Il vous fait monter. Il vous emmène jusqu'à Mpaka. Il vous fait descendre et vous revenez à pied. Et vous êtes content. Mais deuxième principe de Lugaba, c'était le plus dangereux. Ça, ne faites pas ça chez vous. C'était quoi? On courait derrière les camions de sable. Tu vois, les gros camions là. Et puis en gabarit. Bon, il y a des gens qui ont compris. On court en gabarit. Voilà, on a gabarit. Sauf que nous. Quand tu gabarres comme ça, tu tombes là où il y a des sables, tu te jettes comme dans les films américains. Voilà. Une fois, comme on dit, 9 jours pour le voleur, 10 jours pour le propriétaire. On a gabarré avec nous 3 ans. On est tombé sur un chauffeur. Le gars, je ne sais pas si c'était le cousin de Hitler. Il nous a vu. Il a accéléré. Toi, nous, on est comme ça, des enfants. 3 enfants, il a vu, il a accéléré le camion. On s'est dit, bon, on est à pointe noire. Hein. Quand il y a le feu rouge, on va dire, il n'y avait pas d'électricité. Le gars accélère. Non, c'est dit, il n'y a pas de problème. Dès qu'il va s'arrêter quelque part, on descend. Frère, vous avez pris à rouge. Il nous emmène, on est vers Songolo. On s'est dit, Songolo, on connaît. S'il nous laisse là, on saura comment rentrer. Il dépasse Songolo, il attaque Siafoumou, ça devient dangereux. Tu vois, là, on commence à pleurer. Et moi, j'étais au milieu, tu vois, un peu comme Jésus, et mes deux amis à gauche et à droite. Donc, moi, je suis là, on entend le pleurer. Et à un moment donné, tu regardes ton ami à gauche, vous me regardez, vous pleurez tous les deux. Vous ne parlez pas, mais dans le regard. Tu vois, et quand vous pleurez comme ça, les gens de la rue qui se demandent, mais ces enfants-là, ils ont quoi? Du coup, tu as envie d'expliquer au gars que tu as fait le gars là, et là, tu as un problème. Vous êtes arrivé à lui. Tu n'as pas le temps de lui expliquer. Donc, quand tu le vois, lui, tu regardes, toi, tu fais. Et lui, il est choqué, il te voit, il fait. Toi, on arrive vers Tibala. Pour ceux qui connaissent pas, on arrive à Tibala, le gars nous fait descendre. Histoire vraie, j'avais 10 ans. Le gars nous fait descendre. Donc Tibala, c'est un quartier ville. Moi, j'étais chez nous à Pointe-Noire, dès que j'avais 2 ans, tu entends des histoires sur les villes. On arrive, il y a des trucs rouges. On s'est dit, forcément là, si tu pétilles, tu es mort. On repart. Le gars, il s'en va. On reste dans ce quartier, on veut rentrer chez nous. On a que 10 ans. On s'est dit, on va chercher un papa qui a une voiture, qui va nous aider à rentrer à la maison. Dieu a fait grâce, on a trouvé un papa qui avait une voiture. Mais là n'est pas le problème. Le problème, comment tu lui expliques que tu as fait le gaba? Tu as atterri à Serfoumo, là maintenant tu veux rentrer. J'arrive devant le papa, moi-même je pleure déjà. Je parle, mais je pleure. Papa. Nous trois, non? Lugaba. Non, c'était une très très belle histoire, mais moi je pense que dans les années 90, ce qu'on a eu de plus beau comme cadeau, c'était les toilettes qu'on avait. Ça, vraiment, c'était quelque chose d'extraordinaire. On avait des toilettes qu'on appelait excentrées. Toilettes excentrées, pourquoi? Parce que c'était un peu toujours, tu vois, non? Au coin comme ça, ou à l'entrée de la parcelle. Les gens, les toilettes en tôle, quand tu ouvres toute la parcelle, c'est qui est rentré. Donc quand tu ouvres comme ça, quelqu'un rentre dans la là, maintenant, nous, depuis la maison, on calcule le nombre de minutes que tu fais. Maintenant, le problème de ces toilettes-là, c'est qu'il y avait aussi beaucoup d'avantages, ces toilettes. C'est que tu n'étais pas assis. Il n'y avait pas de vigile. Tu étais accroupi. Donc, ce n'était pas des toilettes pour les fainéants. C'était des toilettes pour les sportifs. Non, parce que mon frère, non. Tu étais comme ça, là. Moi, je vois dans les films américains quelqu'un est bloqué comme ça une minute. Ils disent, c'est impressionnant. Nous, 2 heures, tu es là, comme ça. Bon, si je mens, c'est les gens des années 90 dans la salle. Vérifiez ce volet en volet. Vous allez vous rendre compte. Tu vois, on était bloqué. Le problème aussi avec ces toilettes-là, c'est que c'était des toilettes en tôle et il n'y avait pas de porte. La porte, c'était une tôle improvisée. C'est-à-dire que tu arrives, tu prends juste la tôle. Attends, tu as vu ça. Tu arrives, tu prends juste la tôle, tu poses. Mais vous savez, le blanc, c'est lui qui a imaginé la porte. Son idée, c'était que la personne qui arrive puisse frapper.
frappé avant d'entrer. Mais dans cette toilette-là, c'était la personne qui était à l'intérieur qui frappait. C'est lui qui était dehors. Tu es dans les toilettes. Tu entends un son, même si c'est un corbeau, tu frappes déjà. Dès que tu entends les pas, tu vas vous caler. Parce que si tu rates, on rit doucement. Parce que si tu rates, c'est là où arrive ce qu'on appelle la conversation la plus courte de l'histoire. C'est lorsque deux personnes se croisaient comme ça dans les toilettes, ils se parlent très vite. Parce que celui qui ouvre la porte, il ouvre. Oh. Et celui qui a su, il fait. Oh. Oh. Tu vois, on n'a rien dit, mais on s'est compris. Et c'est là qu'on a pris. C'est là. Donc là, on est en train de mettre une bonne ambiance pour les chats, parce qu'ils vont vous tuer une bonne fois. Vous savez, en tant que Congolais, en tant que Philippe, il y a un truc que je regrette un peu, c'est que Fanny ne soit pas Congolais chez nous. Fanny, pourquoi? J'ai toujours voulu qu'il soit Congolais chez nous. Le gars, il me plaît trop. Fali est très bon. Et je dis que je ne peux pas me marier tant que je n'ai pas les moyens de faire venir Fali à mon mariage. Je vous dis, Fali doit jouer à mon mariage. Mais après, je me dis, moi je ne fais pas les choses au hasard. Je me dis, si j'invite Fali à mon mariage, je prends le temps de parler à ma femme. Au moins 3 heures du temps, je te parle comme ça. Guérine. Fali est la bousa. C'est mon mariage. Maintenant, j'ai toujours imaginé tu parles à la femme comme ça. Le jour du mariage, Fali chante. La femme, elle est calme. Et c'est toi qui me dis, oh, Fali. Et la femme te dit, non, laisse-nous en continuer. Non, mais sérieux, Fali, vous parlez, je l'aime beaucoup. Ce que j'aime le plus, c'est Fali, c'est que le gars est très intelligent. C'est le seul musicien au moins qui a été capable de nous faire une chanson. Le titre, c'est 1 minute. Et ça dure 7 minutes. Personne ne s'est rendu compte. Fali, quand il chante avec lui, là où il y a l'anglais, il ne chante pas l'anglais. C'est quand la chanson finit que son anglais arrive. Il a fait une chanson avec Olivia. Vous connaissez les chaises électriques. Olivia chante en anglais. Ah ouais, now I have a time. One of my dreams. Fali, pour nous montrer qu'il comprend anglais. Quand Olivia fait en arabe, Fali fait ah bon? One of my dreams. Oh. Quand Olivia chantait, son tour est arrivé. On dit Fali, c'est ton tour. Là, on dit Fali, c'est toi. Ah, tout n'a pas. La chanson en anglais, mais quand Fali arrive, on dit. N'a préféré la vie, c'est électrique et assentiment. Tu m'as basé na vionne, et comment t'as mouté? Je suis sur mon livre, non. Si vous m'avez dit un truc, on va une phrase en anglais. Maintenant, ma folle, oui. C'est quand ta maman fait caïf, n'a rien. Ce qui est beau, c'est que Olivier a chanté, la chanson est finie. L'anglais est fini, on est en train d'arranger le truc. Pour cette fois, on est en train d'emballer les matériels. On veut partir, c'est là qu'il fallait se souvenir. Ah, il y avait l'anglais. C'est là que son anglais lui arrive. Do you feel now, baby? Il fallait, non, il est fort. Vous savez? Vous savez, Fali, en vrai, il fait les chansons que les 2 minutes. Pour ceux qui connaissent. Il écrit ses chansons, ça dure 2 minutes. Mais quand il chante, ça fait 7 minutes. C'est ce qu'il a signé comme contrat avec son manager, faire des chansons de 7 minutes. Or, il n'écrit que 2 minutes. Mais comment il fait pour que ça fasse 7 minutes? Il est trop intelligent. Il vous chante 2 minutes, il complète les 5 autres par les dédicaces. Très fort. Si vous écoutez les chansons de Fali, il peut vous faire un truc au début de la chanson. Il vient comme ça et vous dit, merci à mes jeux pour Nana Ketchum. Allez, Benza, si je dors, allez, ma femme, lui, c'est Luca, qui a pu dire Nana. Il était vraiment le gars, tu vois. Lui, non, ma casse, lui, je sais la reine de Kafou, la Chichibasu. Il a déjà gagné 2 minutes. Il va chanter pendant ces 2 minutes. Nana, tout ce que vous connaissez. À la fin, il n'est pas 7 minutes. Il ne peut plus chanter, faire les dédicaces comme au début. Vous allez vous rendre compte. Il va faire des dédicaces en chantant. Il va faire Mara, quoi, ma, qui fait Alpha, Mongolé, Lolo, Lolo, Sili, Ginova, Jérôme, Marcoli, Fané, Nicole, Vargou, Marte, Debo, Mirci, Péchara, la rafle, petit épouse. C'est dans la chanson Associé. Il y a des gens qui connaissent la chanson Associé. Ils chantent tout ce que vous connaissez. Associé, il est
Et tu réponds, j'arrive. Si tu insistes,
Elle va te dire, je ne vais pas loin. Je ne vais pas loin, c'est un quartier. Le Congo, le seul pays au monde où une personne est capable de marcher comme ça dans la rue. Seul, il marche. Il voit un chien. Ils se sont obligés de faire peur au chien. C'est comme s'il y a un esprit dans sa tête qui le pousse à faire peur au chien. Et même le chien est surpris. Tu vois, il voit le chien, il fait. Oh. Et quand le chien pousse, le gars est content. Bon, ça, c'est quand tu tombes sur un chien par la peine pour lui, le moment tu couches. Parce que quand tu tombes sur un chien méchant, lui, il fuit pas. Lui, fait. C'est là que la peur change de camp. Et là, ouais, le problème, on a. On est tellement libre au Congo qu'on peut visser n'importe où. Dans quel pays tu peux vivre ça? Et il y a des gens qui me tournent au Congo. Ce sont des personnes qui habitent dans une parcelle. Il y a une douche. Il est là. Il a envie de pisser. Il sort de sa parcelle. Il pisse sur le mur d'en face. Il finit, il repart. Par contre, tu as envie de qu'est-ce qui n'a pas marché? Et ça, bon, je parle aux hommes. Les femmes, taisez-vous, je parle aux hommes. Ça nous est déjà tous arrivé. Tu pisses sur un mur. En train de pisser au casque, ça, tu n'as pas fini. Il y a une personne qui sort de la partie. Très souvent, c'est une femme. Et elle va, et quand elle sort, elle fait. Oh. Alors, quand tu n'as pas fini, tu fais. Oh. Tu pisses en marchant. Mais tous les Congolais ont vécu ça. Tous les hommes Congolais ont vécu ça. On connaît tout ça. Est-ce que j'aime aussi au Congo, c'est au niveau des ethnies. Il y a des laris dans la salle. Je sais que vous êtes là, c'est impossible de faire un truc culturel au Congo sans la vie. Je sais que vous êtes là, mais moi j'aime les laris parce que vous, dans la culture, franchement, je dis au Congo, vous êtes noirs. Tchao les filles, vraiment, on a essayé avec les Banboussians, on a essayé. Vous savez, la plus grande star culturelle Vili, Cyrus Tikaya. Ça vous dit quelque chose? Le docteur Cyrus Tikaya. Il a fait le buzz au Congo. Comment? Vous connaissez sa chanson? Mais il n'y a pas de temps, papa, t'es la petite tête, ça va être la Moïse. Hein, quand Moïse? Vous connaissez pas la chanson? Vous savez que le gars est docteur en lettres. Il est docteur en lettres. Dernièrement, j'ai cherché sa chanson. Je l'ai écrit sur Facebook. Lui-même, il n'a pas sa chanson. Merci beaucoup.
Je pense qu'il va faire. Il va faire son nom. Continuez à applaudir, continuez à applaudir. Yeah. On applaudit encore pour Bruno Alves, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Sur 10, comment vous l'avez trouvé? 10! Il est bon, il est bon! Il est bon! 10! Est-ce qu'il veut déjà? Oui! Vous avez été mieux que moi? Oui! L'enfant, j'étais sexy, madame. C'est sexy, c'est un peu sexy. C'est pour moi, ça. Vraiment, vous l'avez aimé? Oui! Et ça, c'est là qu'un échantillon, parce qu'il y en a plein d'autres. Plein d'autres qui évoluent comme ça. C'est vrai qu'ils sont un peu plus au Tazer, Brazzaville, mais on garde notre mieux de toujours venir jouer ici pour vous. Parce que vous êtes des spectateurs, un public merveilleux, fort, pas belle, mais tellement. Vous êtes tellement trop beau. Appréciez pour une attention. Maintenant, nous allons recevoir celui que vous attendez tous, sous le nom de IBH. Mais quoi, je suis aussi humoriste. Ah bon? N'êtes pas sûr? Non. Je suis humoriste, sérieux. Comment ça j'étais? Je suis humoriste, sérieux. On ne te connaît pas. Mais oui, bah. Vous ne me connaissez pas, vous êtes sûr, hein? Vous n'avez jamais vu à la télé un monsieur sexy, beau comme moi? Sexy. Sérieux. Bon. D'accord, je vais vous faire un truc, une petite blague. Et vous allez juger sur 10 ou 7 par 5, ok? D'accord. Je suis fan de Michael Jackson. Dans la salle, les gars qui sont fans de Michael Jackson, ils lèvent, je sais pas, par... Un coup de froid. Un coup de froid, mais on aime toujours, là. Oui. Vous savez, tellement que j'étais fan de Michael Jackson, mais sauf que fan, j'étais trop hystérique. À tel point que j'ai eu des révélations sur les pas de danse de Michael Jackson. Sérieux? Vous savez comment il a créé ses pas de danse, vous voyez? Le moonwalk. Non, pas moonwalk, ça. Pile. Non, mais ça. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé réellement? Michael Jackson s'est retrouvé, en fait, il avait rendez-vous avec une belle fille. Il s'est retrouvé devant son miroir. Et il essayait son jean. À l'époque, c'était des. Les bistros, vous voyez un peu. Donc il essayait son jean comme ça. Yeah, this my jean, yeah, this shirt, yeah. Oh, yeah. Bon, en fait, il voulait faire ça comme tu veux essayer. Mais sauf que son directeur de cabinet se retrouvait coincé de la fameuse crise, vous connaissez là. Vous vous rappelez tous de ça? Oui. Et vous savez comment il a créé le monde? Il avait rendez-vous avec la fille et tout le monde sait que Michael Jackson était signé, n'est-ce pas? Il parlait avec la fille, il échangeait avec la fille, sauf que la fille ne voulait pas écouter que des paroles. Elle s'attendait à l'action. Michael Jackson, en ce moment-là, regardait la fille. Yeah, girl, I love you, girl. Bon, écoutez mon anglais un peu. Yeah, you are a beautiful girl. Et la fille lui dit, Michael Jackson. Elle ouvre carrément sa chemisette. Et vous savez ce que Michael Jackson a fait? Oh non. Yeah. Merci mesdames et messieurs, c'était IBH, c'est moi. J'espère que celui que l'on attend tous est prêt, parce que je suis en cours de sketch. J'espère qu'il est prêt. Nous allons recevoir sur scène celui qu'on applaudit, mesdames et messieurs. Je sais que ça vient de regarder.
Vous faites attention à vos bras si vous voulez. Ah, tout le monde est là, tout le monde. Ça c'est un couple, je suis sûr. Ça c'est un couple. Regarde la tenue, regarde la tenue. Comme ça, si un se perd, on peut pas tenir le monde. Je vais t'enlever ton calme, c'est la couleur. Je vais t'enlever la moune, moi, c'est ça. Oh, Seigneur. Il y a aussi les célibataires. On voit deux filles au son. La personne. Oh, Seigneur. Papa, c'est celui qui a payé le ticket qui a décidé de se sacrifier. Elle est une femme à soeur. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. Qui est célibataire ce soir? La célibataire, vous êtes où? Courage. Change d'église. Ça tournait à ce que j'ai dit, c'est célibataire. Non, voilà un homme. C'est trop facile. Ça m'a rendu plus facile. Alors, moi, c'est Wolfa. Hein? Au cas où il y en a qui m'ont oublié, ah, parce que quand on a l'argent, de toute façon, je sais que le pauvre il oublie difficilement. Un pauvre, quand il regarde, c'est lui. Donc, moi, c'est Wolfa. Hein? Alors, j'ai tenu à vous rencontrer ce soir parce que c'est un honneur pour moi d'être là. Ça fait longtemps que je vous ai vu, longtemps, très longtemps. Hein? Vous m'avez manqué. Bon, je dis ça juste parce que c'est le sketch comme ça, mais sinon. Mais vous m'avez manqué quand même, vous m'avez manqué. Ça fait plus d'une année que je n'ai pas fait de spectacle à Pointe-Noire, plus d'une année que j'étais allé en France. Hein, il faut que je dise ça au cas où il y a des gens qui ne savent pas. Une année que je vis en France, parce qu'au cas où il y a des gens aussi qui croient que je vais tout le bâti. Une année que je vis là-bas. Ah, Seigneur, ça n'a pas été facile. Au départ, j'allais en France pour faire un mois et demi. Donc, parce que tu sais, quand tu as maintenant l'argent, tu veux prendre les vacances. Bon, il y a des gens qui prennent les vacances à Tolisie. Après, ils vont au champ. Donc, moi, j'avais décidé de prendre les vacances en France. Donc, j'arrive, bam, Covid. C'est le bel. Je te remercie. Frontière fermée. Il n'y a pas d'avion. Donc, je fais quoi? Je reste. Mais je voulais quand même rentrer. Parce que j'avais envie de rentrer. Je n'étais pas préparé pour vivre en France. Je n'étais vraiment pas préparé. Je suis la seule personne qui allait en France sans se préparer. Donc, j'arrive quand le Covid arrive. Les frontières sont bloquées. Pardon? Oh. Même quand ils viennent de Paris. Mon père même n'a pas voulu que je rentre. Vous savez que quand tu vas en France, on
en tant qu'Africain ou Congolais, c'est la réussite. C'est la réussite. Oui. Même quand tu n'as rien. Voilà. Oui, et si tu fais une erreur de revenir dans ton pays, dans ton quartier, tout le monde te voit comme un traître. Il y a même des gens qui n'ont jamais voyagé. Donc ils ont tous les nerfs du monde. Et puis le gars, il te dit. Ils m'ont dit. Donc j'ai dit à mon père que je dois rentrer. Mon père m'a dit, reste là-bas. Pourquoi tu vas revenir? J'ai dit, papa, ici c'est difficile, ça fait mal, j'arrive pas. Il m'a dit, reste, ceux qui sont là-bas, ils font comment? Mon père m'a même parlé de Mamadou Gassama. Mamadou Gassama, il a fait comment? Vous connaissez Mamadou Gassama? Oui. Sauf que le gars nous a compliqué la tâche. Maintenant, là, en France, je vous assure, c'est difficile de trouver un enfant seul. Les gens, ils lâchent plus les enfants. Quand tu t'approches d'un enfant, sa mère va l'appeler. Hé, lui, viens, viens. Le tonton peut te sauver. Ne reste pas là-bas. On ne nous laisse plus avec les enfants. Parce que je peux le sauver. Donc, j'ai commencé à vivre. Mais un voyage un peu difficile au départ, mais après, ça a commencé. Parce que j'ai du mal à m'intégrer. Je dis ça aux gens, j'ai vraiment du mal à m'intégrer. J'arrive pas à supporter le rythme de la vie de là-bas. J'arrive pas. Pardon? Vraiment, hein? On attend l'histoire. Comment vous avez mis certaines personnes de haut? Qui a fait la jambe? On attend l'histoire. Elle est célibataire. La jalousie de ça. Pour rire doucement les cheveux là. On va approcher quelque part. Tu sais qu'il y a des filles qui ont des talons ici. Elle va faire un jeu par exemple. Ça approche tes cheveux. Hé, il y a pas de soupe. Donc, difficile au départ. Difficile, mais après, on commence à s'habituer. Parce qu'on n'arrive pas à être pressé. Les gens sont tout le temps pressés. Il faut respecter les rendez-vous. Là, par exemple, je suis content. On avait dit 18h. Maintenant, on commence à quelle heure? Ça nous fait du bien de retrouver le retard. Mais là-bas, le retard, non! Quand on nous voit à l'hôpital à 12h, tu arrives à 11h50, tu es là. Dès que tu dépasses de 5 minutes, ah non, monsieur, il y a un autre patient. Mais j'étais dans l'hôpital. Demandez même à l'hôpital, j'étais dans l'hôpital. Tellement ils sont pressés, tu n'as personne à qui demander. Madame, s'il vous plaît. Ah non, monsieur, excusez-moi. Les gens sont tellement pressés. J'ai du mal, vraiment du mal à m'adapter en France. Du mal. Du mal à draper. Parce que là-bas, on ne drape pas comme ici. On drape pas, mais tu dors. Attendez, s'il te plaît. Moi, je t'appelle, non, non, on ne fait pas ça. Là-bas, on ne fait pas ça. Quand même, ici, quand même, tu n'es pas courageux, tu peux dire petite, parce que tu sais qu'elle va refuser. Ah, reste pour toi. Tu savais qu'elle devait refuser. Parfois, il nous arrive la machin, si il est bien gars, il a dragué une fille, il appelle une fille, mademoiselle. La petite ne gère pas, mais je t'appelle, non? La petite ne gère pas, il y a quelqu'un à côté qui dit, mais ma chérie, vas-y, va au moins écouter ce qu'il va te dire. Et là, la fille est obligée de revenir, elle revient, elle dit, ok, je t'écoute. Après, le gars dit, non, yo. Vas-y, la fille a dit, oui, mais parle, je suis là. Donc, moi, tu t'appelles et puis tu me fais les jeux. La fille dit, oh, ok, tu m'as appelé, non? Je suis là. Mais je suis là pour parler. Mais il faut que tu parles, Johanna. Tu m'as appelé, moi, ça va. La fille a dit, ok, si tu n'as rien à dire, moi je m'en vais. La fille s'en va et puis le gars dit, qu'en est-ce un peu? Ici, c'est facile de faire ça, c'est facile. Mais là-bas, on ne drague pas dans la rue, c'est du harcèlement. Tu as peur, tu ne sais pas comment elle va réagir. Regarder la femme dans le train, non. Elle peut appeler la police. Surtout si tu n'as pas de papier. Regarde la police, ah non, j'ai senti l'agressivité dans le train. J'ai senti l'animosité. Alors, Justine, il faut que tu fasses quelque chose. J'arrive pas, j'ai peur de draguer.
C'est pas que j'aime pas les blanches. J'aime les blanches. Oh, j'aime aussi les noires. Je ne suis pas déçu parce qu'après, j'aime aussi les noirs. Et par contre, il faut applaudir au même moment que les autres parce que là. Donc, j'aime les blanches. Et j'aime les blanches parce que les blanches. Une blanche, quand elle t'aime, elle te dit t'aime. Quand elle t'aime pas, elle te dit non, je n'ai pas d'amour pour toi. Mais ici, on peut ne pas t'aimer. Mais comme tu as l'argent, tu n'as pas amour. La blanche, elle est vraie. Elle est vraie en amour, elle est vraie. Il n'y a pas, oh non, je suis avec lui juste, hein. Non, ah, ah, quoi, elle t'aime, elle t'aime. Le classement. Non, bah, en vrai, je laisse encore. Parfois, quand tu écris, elle n'a pas de vie. Donc, on va prendre ce mot pour rien. Donc, la blanche est vraie. Donc, c'est pour ça que j'aime les blanches. En même temps, j'aime aussi les noirs. Hein, je répète, j'aime les noirs. Mais je me dis toujours, c'est quand même bien, hein, d'être avec une femme qui j'ai mis en disant oh my god. Oui, vas-y bébé, vas-y, vas-y. Que d'être avec celle qui fait. Non, mais j'aime les femmes en général, j'aime les femmes. J'aime les femmes, ouais. J'aime les minces, les grosses. Hein, j'aime les grosses. Là-bas, on ne dit pas grosses. En France, on ne dit pas grosses. On dit elle est forte. Elle est forte. Elle est forte. Elle ne s'est jamais battue, elle est forte. Chez nous, on dit oh, fille, elle est née. Mais là, on ne dit pas, ça va choquer. Donc, j'aime toutes les femmes, les minces, les grosses, hein, les minces surtout pour leur flexibilité. C'est-à-dire, pendant le jour du mariage, le jour du... Pardon? Oh, mais il y a des grosses, la rongelle là, la rongelle. Les grosses, je sais, j'en viens. Je dis, les minces à cause de leur flexibilité, parce que le jour du mariage, qu'on dit, il faut, quand il faut prendre les photos, hein? Lève la mari. Mais la grosse. Souvent, c'est le mari qui dit pose, comme il y a la lumière, vous me mettez la lumière. Elle n'arrive pas. Elle me aussi disait danser avec une grosse, c'est comme se déplacer un réfrigérateur. Non, mais en même temps, non, attendez. Ok, je me rattrape. Mais je vais vous dire pourquoi je préfère les grosses. Parce que les grosses, oui, non seulement il y a la chair, mais elles sont imposantes. Une femme grosse, quand tu te promènes avec elle, tout le monde te respecte sans problème. Mais la messe, quand vous voyez les messes dans la rue, elles savent pas où elles sont. Thank you.
arrêté. Il n'y a plus rien. Oh. Non, mais j'aime toutes les femmes. J'aime toutes les femmes. Ça fait mal, hein? Oh my god. Non, mais je vous appuie. J'aime tout le monde. J'apprécie le public. Je parlais de mon intégration en France, je parlais de réalité de là-bas que j'avais du mal à appréhender. Hein. J'avais, depuis le matin, j'avais envie de dire appréhender, mais je ne savais pas où mettre ça. Donc là, j'ai trouvé ça. Donc, j'avais du mal à appréhender. On a presque les mêmes réalités. En France, par exemple, quand tu prends un train, tu sais à quel moment, à quelle heure tu vas prendre le train, tu sais à quelle heure vous quittez, à quelle heure vous arrivez. Au Congo aussi pareil. Quand tu prends un train, tu sais à quelle heure vous quittez, à quelle heure vous arrivez, à quelle heure tu prends le train. La seule différence, c'est qu'en France, tu le sais avant. Au Congo, tu le sais quand le train arrive. Même le chef de gare n'est pas au courant. Quand tu vas le voir, mais toi, tu prends à quelle heure? Peut-être que ça va arriver, mais c'est encore 20 minutes là-bas. On a presque les mêmes réalités, presque.
Là-bas, ce n'est pas facile d'épouser. Tout le monde veut épouser, aller en Europe et épouser une femme. On se dit, ah, je veux me marier. Mais le mariage, ce n'est pas un truc facile. Je sais qu'il y a des couples ici. Ce n'est pas facile, le mariage. Parce qu'il y a des choses que tu faisais quand tu étais célibataire. Mm-hmm. Tu ne peux plus les faire quand tu es marié. Par exemple, tu ne peux plus avoir des secrets. Ah. Non. Même le rêve que tu as fait. Dans le rêve, tu as acheté la voiture. Tu n'as plus qu'à madame. Elle va te dire, mais pourquoi tu ne m'as pas dit? Tu dis, mais c'est un rêve. Je te dis ça à quel moment. Des choses que tu faisais que tu ne peux plus faire. Avant, tu étais célibataire, tu pouvais péter comme tu veux. Mais quand tu es marié, tu as peur. Parce que tu ne sais pas si l'organisme de ta femme est fort. Est-ce qu'elle va résister? Donne-moi un pied froid. C'est difficile, le mariage. C'est vraiment difficile. Il y a des choses que tu ne comprends plus. Tu veux sortir? Non, tu passes ton temps avec tes amis. Tu n'as pas de temps pour moi. Et quand est ton enceinte? Bon, ça dépend des grossesses. Mais si c'est une grossesse qui te demande la mangue crue de l'Itouli, achetez un couicou, s'il vous plaît. 2 heures du matin, elle a besoin de la mangue. Tu n'as pas de voiture. Il faut aller chercher la mangue. Le mariage, c'est pas facile. Quand les enfants arrivent, si c'est un enfant qui vient ici, facile, tu peux bien l'éduquer. Tapez de temps en temps. On va tout. Mais en France, on ne tape pas les enfants. On ne tape pas l'enfant à le numéro de la police. À l'école, on lui donne le numéro de la police. Moi, je suis arrivé chez un grand à moi. J'arrive chez lui. J'arrive chez mon grand. Il a des enfants, des petits-enfants. Mais des enfants qui parlent français. Donc on est obligé de sortir un enfant de sa chambre pour que moi je dorme. Erreur. Chaque fois l'enfant sait que c'est sa chambre. Il veut venir sauter. Je dis, hé, qui te l'a mis? C'est ma chambre. Je vais le prendre à l'école. Il est obligé de m'indexer devant ses amis. Hé, Henri, t'as vu le tonton qui a pris ma chambre? C'est lui qui dort chez nous. J'ai envie d'être maman, moi. J'ai envie de me taper, mais tu ne peux pas. Il a besoin d'aller aux toilettes seulement quand moi je suis dans les toilettes. Tonton, je veux me soulager. Je ne peux rien faire sereinement dès que je m'assois. Tonton, je veux rentrer. Dès que tu veux le taper, hé, hey, tonton. Je vais appeler. Ça, c'est quand tu n'as pas encore de papier. Quand tu n'as pas de papier, tu es une cible. Tu n'as rien fait, mais tu as peur. Dès que quelqu'un s'approche de toi, tu appelles la police en civil. Le problème, c'est que quand même tu as les papiers, tu as peur. Tu vois la police arriver, toi-même, tu te dis que tu as fait une faute. Est-ce que j'ai ma carte? Est-ce que j'ai payé le billet? Toi-même, tu as peur. Parce que tu vis chez les autres. Vivre à l'étranger, c'est pas facile. Tout le monde croit que tu as l'argent. Et c'est bizarrement à ce moment-là que les problèmes de la famille commencent. Tout le monde croit que tu as réussi. Il y a des gens qui sont là 10 ans en France. Même pas ça, Kamakal n'a payé. Il n'a jamais envoyé. Chaque fois que je l'appelle, je dis, mon papa, c'est compliqué. Les gens qui te disent toujours, petit, quand t'as dit Kakuna, parce que, ah ouais, c'est compliqué. Mais le pauvre, il ne peut rien faire. Il ne vit pas chez lui. Parfois, il vit chez madame. Moins d'erreurs, on attend l'hiver. Jacques, s'il te plaît. Non, je pense qu'il faut qu'on fasse une pause. Parce que tu as envie de dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Je te dis, non, faut partir. Tu ne peux rien faire, tu ne peux pas taper madame. Elle va appeler la police. On a tous peur de la police là-bas, surtout les noirs. On a peur de la police. On n'a rien fait, on a peur. On n'a pas que peur de la police, on a peur de la femme. Parce qu'elle peut appeler la police.
travaillent ensemble. Parce que c'est la femme qui donne des clients à la police. Tu ne peux pas la taper. Là-bas, on n'est pas fort. Je sais, on peut être ici. Tu peux dire, tu me connais. Tu sais qui je suis. Toi, tu fais conjugueur. Ça, c'est le français des policiers. Merci. En France, c'était là depuis, on dirait déposer ça. En France, il y a des mouchoirs. Et de l'eau. Et de l'eau, et de l'eau. En France. Ici, il n'y en a pas. Ils sont allés acheter ça. En France, il y a un garde du corps. Je vivais comment? On n'avait pas d'argent, mais on s'arrangeait à avoir des vestes. Il fallait toujours avoir une veste. Une veste bien repassée et prête à être portée. Je vous explique. La consigne, c'était de vérifier que, en fait, quand on se baladait dans la ville, il fallait repérer un mariage. Quand vous arrivez au mariage, vous faites comme si le mari là c'est pour vous. Comme si c'est ton frère qui se marie ou ta soeur. Mais quand tu n'as pas le carte d'invitation, tu prends le téléphone. Allô? Ouais, mais Faso. Non, je suis au mariage de ma soeur là. Là, je suis en train de rentrer. Je suis au mariage de ma soeur. Non, je t'appelle après. Comme ça, le portier te dit ouvertement que le gars, il est de la famille. Et on faisait que ça, on mangeait comme ça. Mais on souffrait beaucoup les lundis, mardis, jeudi, parce qu'il n'y avait pas de mariage. Samedi, dimanche, on faisait le pactole. Mon oncle s'est battu pour aller prier dans une église de réveil. L'église, là, les gens se mariaient trop. C'était comme, qui c'est ça? Vous savez, il c'est voilà, il y a l'onction. Là-bas, les gens se marient trop. Dès que tu arrives, pour mariage. Mais ça y est, quand tu n'as pas, tu as échoué dans le mariage. Va essayer. Ça rate pas, ça rate pas. Donc, mon oncle, il allait toujours, il allait dans cette église et il a fait de son mieux pour aller, pour entrer dans l'équipe d'organisation des mariages. Donc, il me disait toujours, pas de là, pendant le mariage, moi je venais toujours avec un sac à dos. Toujours. Parce qu'il faut faire des réserves. Et il me plaçait toujours devant la porte
où la porte, on dit quoi? La porte d'où on sortait avec la nourriture, voilà. Donc je me mettais toujours au coin. Si la table est au coin là-bas, il faut que je me place à côté de la table. C'était ça la consigne. Parce que pour notre travail, il fallait respecter les règles. C'est pas donné à n'importe qui. Donc lui, quand il sortait avec le plateau, il se mettait toujours au coin là où je dis, oh, toi tu n'as pas encore eu. Mais bon, et moi j'avais toujours le sac ouvert comme ça. Il versait seulement, ça tombait dans le sac. Et on faisait ça tout le temps. Pendant la période des soutenances de mémoire à l'université, on passait toute la semaine à l'université pour assister, pour pas vraiment assister, mais pour applaudir les soutenances. Je vous explique. Dès que là-bas, on entend d'applaudir, nous, on court. Oh, c'est un brave. Ça, c'est mon collègue. Moi, je l'ai aidé à l'école. Et là, dès qu'on commence à manger, nous, on pouvait faire une semaine, deux semaines, on mangeait que les pop-corn. Imagine la constipation. Manger les pop-corn, arracher, griller, tout ça. Mais j'ai arrêté le travail. Un jour, il y a un cousin à moi qui a repéré un mariage dans le quartier. Il m'a appelé. Bémené Manakabasoba, tu es là, tu dors. Les gens se passent dehors. Toi, tu ne suis pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il va? Il y a un mariage dans le quartier. Bientôt, ça va finir. Là, le papa de la fille est en train de parler. Donc, fais vite. Non, c'est là, pas en cours. Mariage. Et nous, on savait que pendant les mariages coutumiers, c'est la famille de l'homme qui reçoit. Donc, il faut obligatoirement s'asseoir du côté de la famille de l'homme. De la femme, pardon. De la femme qui reçoit. Et il faut s'asseoir du côté de la famille de l'homme. Parce que vous allez manger. La famille de la femme va vous servir. Donc, nous, c'était ça. Mais ce jour-là, on a commencé à servir la nourriture. Moi, en tant que bon, comment on dit, technique, voilà, tu vas voir mon frère. Moi, les gens qui donnent les idées, ils sont souvent posés, tranquilles dans son coin. Il a des idées. Quand tu le regardes comme ça, il a des idées. Il en a beaucoup. Voilà. Donc, moi, en tant que bon technicien, je fais quoi? On s'assoit déjà, on commence à s'assurer. Peut-être que là, nous, on épouse. On ne lâche pas. Nous, on épouse les femmes. On commence à manger, on se lève direct. On commence à se battre pour la nourriture. On en tape le poisson, tout ça. Et on souvent partageait les tâches. Il n'y a pas quoi. Et là, pendant qu'on est en train de se battre pour la nourriture, oh, du côté de la famille de la femme, il y avait une petite que je draguais. Qui était près du but, près du but. Il restait juste un peu pour qu'elle m'accepte. Elle me regardait. Moi, j'avais au moins 6 morceaux de plus. J'avais le haricot. Elle m'a regardé. Dès que j'ai vu ça, j'ai commencé à partager la vie. Toi, tu n'as pas eu. Toi, tu n'as pas eu. Ah, tu es courageux, hein. Je fais ça pour mes frères parce que souvent on ne compte pas sur eux. Non, j'étais obligé d'arrêter le boulot. On a tellement fait des choses au campus. Un jour, on ne payait pas la bourse. Bon, à l'époque, la bourse passait. Hein. On était des vrais étudiants quand même à l'époque. C'est pas les étudiants de maintenant, génération future. Ils n'ont pas d'année académique. Ça commence en juillet, ça finit en août. Ils peuvent faire 2 ans. Ils sont à la première session. Après, tu écoutes, boum, on a créé une autre université. Ils ont laissé l'université en première année. On leur a dit 2025, ça va s'arranger. 2025, ils seront très intéressés. Maintenant, étudiants, quand je dis à quelqu'un, je suis étudiant, tu dis, avec tes pieds. Ça existe encore. Les étudiants d'avant, avant. Ah, avant, il y avait des étudiants. Il y a des étudiants dans la salle? Non, ils ne peuvent pas avoir 10 000. Ils vont avoir ça où? Bien étudiant, il s'en a trouvé. Comment tu as fait? Maman a payé. Tu dis où? Maman a payé. Tu dis où?
s'il vous plaît. Oh. Un peu de pudeur, s'il vous plaît. Oui, dis-moi. Au Sénégal. Ah, ok. Il a étudié au Sénégal, qui a vu? Alors, tu ne fais quoi au Sénégal? Exactement, précisément. Pardon? Quel droit pénal, anal? Non mais c'est bien d'étudier, c'est bien. Heureusement que tu es parti. Tu étais là. Tu seras là devant le ministère de l'enseignement. Ça fait pas partie des étudiants qui se regroupent à 5 comme ça, ils mettent un téléphone devant eux. Non, ton président de la République. Ça fait 6 mois qu'on ne paye pas. Nous-mêmes, on nous a chassés. Mais qui t'a envoyé là? Tu m'en viens, mon frère. Non, mais c'est bien. L'université ISM. Non mais c'est bien mon frère, il y a un autre étudiant ici, la majorité des gens qui sont ici étudient, mais ça fait du on étudie, j'allais dire, on étudie, parce qu'ils comprennent français, ça fait du bien de retrouver les gens de Pointe-Noire dans une salle comme ça, assis, tous ensemble, sans bière. Moi, je mériterais d'être décoré. Je pense que si le préfet de Pointe-Noire me voit, il a une décoré. Parce que comment tu as fait? Comment? Un vendredi, ils sont là, ils vont je pas. Deux heures. Non, ouais, je parle de la cuisine. On va rentrer là. Après, on finit à 23h. Depuis tout le monde n'a pas de voiture aussi. Ceux qui n'ont pas de voiture, c'est souvent eux qui connaissent les routes. quand ils n'ont pas de voiture, mon frère, ils vivent à Pita, Timbaba, tout ça. Amboyo. Non, tu me textes. Il faut les laisser se débrouiller. La vie, on ne peut pas aider tout le monde. Il y a toujours quelqu'un, bizarrement, il y a toujours quelqu'un qui est prêt.
ils ont la facilité de partager la bière. Mais vous n'avez pas de...
normalement, là, monsieur, vous n'avez pas droit à... Ok. Est-ce que vous avez des frais de visa? Elle dit, bon, suivez-moi. En fait, elle m'avait trouvé extraordinaire. Parce qu'elle s'est dit, comment quelqu'un peut prendre le risque de venir se mettre devant moi avec son passeport? Il reste plus à cette page. Je me mets en refus là. Comment il peut prendre ce courage? Après, elle m'a dit revenez le lendemain. Le lendemain, j'ai posé mon dossier à 15h. Le lendemain, à 10h, j'ai eu le visa. C'est là que j'ai compris que j'étais important. Une année de visa. Mais j'ai fait au moins 4 mois, 5 mois. J'étais seulement au Congo. Avec le visa, non savoir où aller. Comment aller? Comment y aller? Où? Chez qui? Mais pourquoi? Allez, visa, je me baladais. Les gars, à Macombo. À Macombo, les gens, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe sur le terrain. On dirait qu'ils ont un esprit qui détecte. J'avais maintenant beaucoup d'amis. Mais ça peur. Maintenant, quand ils ont su que j'avais le visa, eux tous me disent, ah, il arrive. Ah, il y a du visa. J'étais devenu une référence dans le parc. À quoi vous parlez, moi, c'est un garçon, il y a du visa. C'est que tu salues quelqu'un. Oh, comment? C'est bon? C'est fait. C'est ça. Ah, le visa va comment? Le visa? Le balai, là, le visa? La galerie m'avait dit, mon frère, moi la main, ni vous savez un visa, il y a 2 heures. 2 heures, c'est bon. 2 heures. D'arriver à Paris. Dès que j'arrive, Roissy Charles de Gaulle. Dès que je sors de Roissy Charles de Gaulle comme ça, Mouiri, je sors. Malaboshi, ambulance et lit. Ambulance et lit. Côté l'ambulance. Donc, je rentre dans l'ambulance comme ça. Oui, tout là quoi, première rue. Deuxième rue. Troisième. Quatrième. De la manière. Ha ha ha!
femmes qui sont venues avec les hommes qui ne sont pas leurs hommes. Ouais. Le problème, c'est qu'à la fin du spectacle, vous allez remettre les hommes de vous. Vous-même, vous allez rentrer. Ok. Il va arriver avec toi ici. Après, il va aller dormir avec quelqu'un d'autre. La même bébé qui vient dans le spectacle. Même bébé. Imagine le niveau, même le bébé. Il est pas rapide à payer. Bébé, t'arrives. Bébé, t'arrives quoi? Donc, aux femmes, quand vous faites la jalousie, en parlant de jalousie, ma mère était très jalouse. Ma mère, championne du monde de jalousie. Mm-hmm. Il n'y a pas son début. Mais elle a arrêté un jour. Elle était tellement jalouse que sa jalousie, parfois, comme on appelait ça, jalousie extrême. Je vous explique. C'est-à-dire, si mon père avait l'habitude de commencer la nuit à droite, si ce soir-là il arrive, il commence à manger à gauche. Ça veut dire qu'il a mangé comme ça. Non, mais la piscine. Un jour, on lui a dit que mon père était dans un hôtel avec une autre femme. C'est vrai. C'était vrai. Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle court pour aller les attraper. Sauf que elle a oublié qu'il y avait peut-être des obstacles devant elle. Elle est arrivée quelque part, elle aperçoit mon père avec une autre femme. Elle se dit, mais c'est une barre. Devant elle, il y avait un gros canif. Elle est tombée dans le canif. Mon père est passé avec la femme devant le canif. Sauf que ma mère avait tellement mal qu'elle n'arrivait plus à faire. Mon père va déposer la femme, il rentre à la maison. Ma mère est obligée de passer par l'hôpital parce qu'elle arrive en retard. Tu étais où? Pas là où tu étais. Elle n'avait pas l'appareil photo pour filmer. Elle était trop jalouse. Enfin, pour un rien, mon père est assis. Non, moi je ne veux pas mieux. Vous l'avez une fois quand même. Trop jalouse, mais après elle s'est calmée. La jalousie, c'est quelque chose. Moi, je me dis, dans le couple, il faut qu'il y ait la jalousie. C'est important, la jalousie. Madame, faites la jalousie avant tout. Hein? Pour faire la jalousie. Ça fait mal à la tête. Mais c'est mieux d'avoir les deux. Alors, la tête, ça se soigne. Mais faites la jalousie, c'est important. Monsieur, faites la jalousie. Suivez vos femmes derrière. C'est important parce que ça nourrit le couple. Ça nourrit le couple. Non, il n'y a plus de caniveau. Les routes sont caniveaux. Après, il n'y a pas de caniveau. Vous avez des routes sans caniveau. J'ai menti. Non, tu as menti. Tiens, vous m'avez menti. Tiens, vous m'avez pas de caniveau. Ah oui, il y a un caniveau. Il y a un caniveau. Il y a un caniveau à Serpoumou. Le nom me fait rire si un bon. Bon, bon, bon. Les jeunes de vous. On n'a pas oublié, hein. Jamais. Même si on continue la marche, on n'a pas oublié. Partout les jeunes de vous. Et tu dis, tu viens à vous, vous. Et puis ça, ça peur. Là, j'avais le t-shirt de Welfare. Tu veux dire quelque chose? Non, tu peux parler. Non, mais non. En fait, c'est le début. Vous connaissez, merci. Mais ce qui va venir après, là. Merci. Non, merci, c'est, il fait partie de mon équipe. J'aimerais profiter aussi de remercier l'hôtel. Papa, papa ne pourrait pas rester avec moi. Il n'y a pas papa.
sais que parfois, il n'y a pas papa. Il y a l'enfant, mais il n'y a pas papa. Mais il est où, papa? Hein? Papa est où? Hein? Au départ, ça commence bien. C'est souvent les gens qui ont beaucoup d'expérience dans les fiançailles, parfois. 7 ans, 8 ans d'expérience, après, boum! Coupé de cours. Papa disparaît. Quand je dis, ça n'a pas marché. C'est beau de voir un couple qui va jusqu'à la fin. C'est très important. La fin? Mais c'est ce que moi je suis en train de vivre, là, je suis tranquille, à l'aise. Non, le début, c'est là où tu es. Je ne sais pas si tu vas arriver. Tous les jours, elle est là à demander à l'homme, viens Eric. Dis-moi, j'avais ça mon Dieu. Parce que jusque-là, je ne sens pas. C'est pas le projet. Ah, donc tu acceptais son projet. Non, j'avais ça mon signal, ça me tombe. Tu as déjà me sens seul. Non, c'est bon. La preuve, elle est venue seule. Il n'y avait pas vraiment la possibilité d'avoir, on n'a pas pu arranger ça avant, mais prochain.
prochainement, on fera de notre mieux pour avoir plus de monde. Et sincèrement, je vous remercie d'être venu. Grâce à vous, ma vie change. Quand je dis ma vie change, c'est aussi. C'est pour ça que je dis je suis toujours très content de vous voir parce que quand je vois l'argent. Pas parce que. C'est pas forcément parce que je vous aime. Mais j'aime votre argent. Non, je vous aime aussi. Je vous aime aussi. Merci pour le soutien que vous nous apportez. Hein. Je sais que c'est pas toujours facile. Aujourd'hui, on s'efforce quand même à faire de notre mieux, hein, à élever. Ça, c'est la partie que j'avais prévue. Mais en fait, c'est une partie que je n'avais pas. C'est une partie que j'avais prévue pour faire comme si c'était un séminaire. C'est pour ça la chaise. Donc, ça, c'est, merci pour votre courtoisie. Et ma. Aquatique. Donc, je sens que j'apprécie vraiment tout ce que vous faites pour nous. Hein. Alors, j'aimerais vous demander une chose avant de continuer. Je sais que vous avez vos téléphones. Mm-hmm. Voilà. Ceux qui ont l'internet, voilà. Mettez Welfare Kaya Pro et abonnez-vous. Voilà. Déjà. Sur Instagram. Déjà. Tout le monde a fait. Déjà. Voilà, Welfare Kaya. Voilà. Abonnez-vous parce que c'est ça qui donne l'argent. TikTok. Ouais, TikTok aussi c'est important. Déjà. Voilà, donc, vous avez fait. Il manque Snapchat. Non, j'ai pas dit ça. Il y a trop de filles. Snapchat, c'est un truc où les gens vont fantasmer souvent pour rien. Tout ça. Et Twitter. Alors, c'est une étape. Mettez vos téléphones sous vibreur, s'il vous plaît. Ça distrait. C'est une étape importante de la vie. C'est pour ça que j'ai appelé ça, j'ai changé. Une étape très importante parce qu'on vient de loin. On vient tellement de loin qu'on a du mal, qu'on a vraiment du mal à s'imposer en France en termes d'art, en parlant d'art du côté artistique, parce que le marché il est grand, c'est vrai. Mais aussi plusieurs humoristes, parfois on a du mal à quand tu arrives nouvellement, est-ce qu'on te connaît, est-ce que voilà, surtout quand ils savent que tu viens du bled. Parce que là-bas, ils appellent le Congo le bled. Donc vous tous, vous avez des est-ce que le blédard sont là? Oui! Donc ils disent. Voilà, blédard. Non, moi. Donc ils appellent le Congo le blé. Et quand quelqu'un vient d'Afrique, tout ça, ils ont du mal à vous donner de la place, ils ont du mal à vous accepter. Ils se disent est-ce qu'il peut faire rire? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il est capable de tenir? Tout ça. Mais après, quand on vous donne des opportunités, je vous rappelle, je suis allé une fois dans une salle. C'était le Barbès, c'est animé par une femme qu'on appelle Chérie, Soignon. Voilà. Donc j'arrive, on me dit, il faut que je participe, que je fasse 3 minutes de sketch. 3 minutes, ça c'est pour les nouveaux, les débutants, les gens qui viennent de commencer, qui savent brillant l'humour, qui n'ont jamais fait rire 12 personnes. Les gens qui viennent de commencer de n'importe quoi. Et il faut 3 minutes par personne pour faire rire les gens. Et je regarde la liste, il y avait, je crois, 37 personnes dans cette ville-là, sur la liste. Et tu voyais un rond, il fallait se lever derrière ces personnes-là pour espérer avoir 3 minutes. Quand je suis arrivé avec le gars qui est devenu mon manager aujourd'hui, il m'a dit il va te mettre en donc je devais être avant 10 personnes. J'ai dit non, ça je ne veux pas le faire. Il m'a dit ouais, s'il te plaît, je sais que c'est difficile au début, va te mettre là-bas. J'ai dit jamais, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Au Congo, vaut mieux que je reparte jouer au Congo où je sais que je vais avoir 500 ou 600 personnes dans la salle. Hein. Je sais qu'ils vont rire que de venir jouer devant 15-16 personnes, jouer 3 minutes et faire rire les gens pendant 3 minutes. J'ai dit non, je ne fais pas ça. Et ils m'ont tous traité d'orgueil. Ils ont dit qu'est-ce qu'il veut montrer. Ça, lui-même, on ne le connaît pas. Qu'est-ce qu'il a prouvé. Et un jour, par chance, il y a eu une soirée congolaise. Les humoristes des deux Congos. Donc, Brazzaville, RBC, ceux qui viennent, voilà. Donc, j'étais le seul qui n'avait pas la nationalité. Mais comme j'étais avec eux, ils croyaient que j'avais la nationalité. Donc, c'est là qu'ils ont pensé à moi. Ils ont dit, mais il y a un jeune là, congolais, tout ça, qui
qui refusait de se mettre en l'occasion de nous montrer qu'il est bon. Donc c'est là qu'ils ont fait l'erreur de me mettre. Mais comment? Ils ont fait l'erreur de me mettre et à la fin ils sont venus voir. Alors, donc toi tu joues au Congo? Après, tu fais déjà des scènes, tout ça, là tu montres les photos, oui, avec mon visage. Non, mais attends, j'ai monté pendant 5 secondes. Là, où là, là, ils disent, ah, waouh, qu'est-ce que tu fais? Et là, ils commencent à demander à venir au Congo. Et là, ils t'accordent un peu d'importance. Là, ils commencent à te placer dans les soirées. Est-ce que tu es chaud? Est-ce que tu es chaud pour une prestation à Angers? Est-ce que tu veux jouer à Lyon? Est-ce que tu veux... Parce que, voilà. Donc, c'est pour dire que j'ai appelé ça, j'ai changé. Parce que je suis parti d'une étape où... Pour avoir du public dans la salle, j'avais besoin d'inviter mes amis, de leur payer les tarifs. Qui avait sa copine. Parfois, je me suis coupé ça. Il me dit, ah, moi, j'ai un truc à faire. Oui, c'est encore foutaxe. Il va voir quelque chose. Il vient avec sa copine, c'est toi qui gère, qui vient t'assister. Et au tout début, on pouvait avoir moins de 15 personnes dans les salles. Je me rappelle, on était dans les 9, 10. C'était des amis, c'est des gens qu'on connaissait, qu'on invitait, qu'on forçait à venir. Et qui venaient. Mais arriver de là à passer d'un ticket à 500, au ticket de 5000 et de 10000, c'est quand même une étape. Donc quand je dis j'ai changé, c'est tout ça en fait. Commencer à aller jouer dans certains pays où, voilà, moi, normalement, on devait me considérer comme beau garçon. Parce que moi, je n'ai pas une piscine. Vous connaissez mon garçon? Il est venu tout à l'heure. Il a une piscine. Je vais faire des vidéos pour éviter qu'on vole sa piscine. Ça, c'est le téléphone, ça, c'est le téléphone. Mais ici, c'est pour dire que normalement, une piscine, normalement, une maison, ça ne devrait pas être une chose qui doit impressionner les gens, surtout chez les artistes. Normalement, ça devrait être quelque chose de luxueux. Je savais. Moi j'habite seulement. J'habite seulement en France. Tu as dit tout à l'heure que c'était chez toi. Tu as dit tout à l'heure que c'était. Mais j'habite seulement, c'est chez moi. J'habite seulement. Ah, c'est je suis français. Donc normalement ça ne doit pas être. J'ai oublié de dire le mot luxe là. Normalement ça ne doit pas être quelque chose de. Voilà. Tu m'as bien. Tu ne dois pas se vanter pour la piscine, normalement. Mais oh, mais. Bon, non, chef. C'est pas lui, quoi.
Il a embrassé une fille, il devait tomber dans le puits. Pour former la ligue de la main. Sauf qu'au moment de sauter, on a attrapé les filles. On a dit, viens, il s'est gagné de non, c'est bien, j'adore. Ça me fait plaisir, ça me fait énormément plaisir. Je suis très content du parcours que je fais. J'ose espérer que Dieu va continuer de m'aider. Amen. De ouais. J'aimerais vous dire aussi, merci. Vous devez comprendre qu'on est à la fin du spectacle. Déjà, je voudrais vous dire merci. Merci aussi à mes jeunes qui m'ont accompagné à mon jeu. Il était jeune, non? Tu peux venir, s'il te plaît? Ce jeune aussi a une histoire. Il s'appelle Bruno Alves. Je vous demande juste de lui donner de la force. Je sais que nombreux sont ceux qui ne le connaissent pas, mais c'est un jeune qui a commencé le mot il n'y a pas longtemps. Il est très talentueux. Merci de confirmer. Quand même, je suis là-bas, les gens qui ont besoin de moi, on n'arrive pas à te joindre, tout ça. Ils ont du mal à payer mon billet d'avion, je dis prenez Bruno Alves. Je vous dis pourquoi. C'est quelqu'un qui est très courageux, très respectueux et qui a vraiment envie d'apprendre. Il a fait le Parlement du Rire déjà. Il vit à Brazzaville. Et puis à Brazzaville, donc je l'ai emmené expressement parce que je sais que même si moi je n'arrive pas à faire rire les gens avec 10 000, lui il peut faire une fois, une fois, une fois. Se lève pour donner d'aide, ils auraient été. Il n'a pas de billet.